Et vous êtes à la maison, il y a même les enfants qui sont là, regardez, pour ouvrir le bal, et dans une minute exactement, on basculera sur le meeting national, le pré-meeting national. Notez-le d'ores et déjà pour celles et ceux qui nous suivent sur les différents Facebook Live, que ce soit du club ou du département. Qui va débuter trois courses, les deux premiers sont assurés d'une place en finale. Vous découvrez la start list. Sauteur en longueur vient de faire de la vitesse. Yann Vandry, Yann Assolo qui prendra le départ. Arthur Cissé sera également dans cette course. Ryan Zézé pour ne citer que. Et ben ça aurait 10, été les minima. 16, la meilleure paire française. Et ben 10-16, c'est les minima pour les championnats d'Europe. Donc 10-0-3 les mondiaux, 10-16 les Europes. Il faut viser le monde. Ah oui. 7. La première des trois courses, Arthur Cissé évidemment qui a pris le meilleur départ. Ryan Zézé qui tente de résister, mais Arthur Cissé qui va aller chercher la victoire. Une belle victoire dans cette première course. Quelle impression il a fait Arthur Cissé, l'Ivoirien. On va attendre évidemment le chrono de cette première course. Ryan qui fait 2. Ouais, Ryan Zézé fait 2, mais alors vraiment quelle impression il a fait Arthur Cissé là. Alors dès le départ. Hein, 10-26. C'est Oh là 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 là. Alors là, le décor est planté. Hein. Dès le début. De facilité. Oui, et ça dès le début, c'est un très très bon partant. Tout à l'heure, je parlais des 60, du, ouais. du 60 en hiver qui était Tony Truant. Là, il va avoir la fin de course qui va lui permettre de faire une très belle perf dès le début. On le retrouvera en finale tout à l'heure. Et est-ce qu'à ce moment-là, en finale, avec tout le respect... Je vous dis, c'est que le plus beau est à venir. Le plus beau, normalement, est à venir. Eh bien, tant mieux. La liste de départ de la deuxième course du 100 mètres masculin avec un Américain, David Quinn, qui a déjà un individuel, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de, a priori, de faute flagrante. Ça tremble. Le stress. Ça tremble, mais on ne part pas des starting blocks avant le départ. David Quinn, l'Américain, avec Joris Van Gogh, le Néerlandais. Quinn qui l'emporte, 10-27 officieux. En décontraction et en coupant également avant la ligne. Mais ça fait deux premières très très belles séries. Hein. Et sachant que là il y a un peu d'opposition parce qu'il y a Joris Van Gogh qui est sur le porte-bagages. À la troisième série du 100 mètres. Il sait tout faire sur Athlé TV. On va lui laisser les clés. Ouais, j'ai tendance à parler trop si on me laisse. Donc Ouais, au bout d'un moment, je coupe. Au couloir 6, Michael Zeba. Et cette fois, c'est le bon départ pour cette troisième course du 100 mètres. Mais Zézé qui a pris l'ascendant sur l'ensemble de ses concurrents et qui va aller chercher une victoire sans aucun problème. 10-27, il pose là lui aussi le décor, Michael Mebazézé. Et il faudra compter sur lui tout à l'heure pour la finale avec Arthur Cissé, David Quinn et le Néerlandais Van Gogh. Oh, qu'elle va être belle cette finale. Elle va être très très belle. Tout à l'heure, on avait vu les deux premières qui s'étaient courues aux alentours de 10-26. Là, il reconfirme avec des chrono à peu près pareil, 10-25. Ce sera très très serré la finale, il n'y aura personne qui va se détacher, il faudra vraiment aller à fond. Et puis il laisse lui aussi, comme Arthur Cissé tout à l'heure, une très belle impression. Alors très, surtout dès le départ, hein, parce que pour le coup il viendra mettre un bon mètre d'écart dès la première mi-course, donc gros départ. Et puis il est qu'à un dixième de son record, Michael Mebazézé. Pour une entrée en matière, tout à l'heure en série ça peut. Et regardez-moi ce vent, moins 2,3. Il fait 10-25 avec moins 2,3. Je pense qu'il est très très fort. Vous avez dit la norme c'est un dixième par mètre. Donc ça veut dire qu'il y avait les minima là. Peut-être deux dixièmes dans les jambes, après il faut les assumer en vitesse gestuelle. We'll be right back.
départ, la finale du 100 mètres masculin. Vous voyez la liste de départ sur votre écran. Le record du meeting, c'est 10-13. La meilleure performance française de la saison, c'est 10-16. Et pour... Nickel, mais pas Zézé. Mais pas Zézé, 10-25 tout à l'heure. Crie dessus. Encore un... Mais attention, ça s'écrit aujourd'hui à Montgeron et le premier départ. N'est pas le bon départ. On l'avait pressenti malheureusement. On va écoper d'un carton rouge et noir, synonyme de disqualification. Pour Adama Djamé, le Gambien. Courbe de poussée. Voilà, vous êtes fidèles téléspectateurs d'Athlétisme. Vous avez déjà eu l'occasion de l'avoir. Là, c'est en anglais. Ouais, voilà. Ah. Il va courir sous protestation, donc c'est à dire qu'il... Oh là 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 là. C'est bon. Ah, c'est trop, hein. Championnat du monde de Eugene. C'est Queen Devin. Jamais 203, mais on s'en passera. La meilleure performance française, si c'est Mickaël Mébazézé devant. Oh là 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 là. On ne va jamais y arriver à le faire partir ce 100 mètres, mais que ça. On en est. Ouais, puis. Oui. Ah, ah, ça va être. Part. Cette fois-ci, je pense qu'il n'y a pas là, photo. Il protestera pas quand sa patronne est là. Fort heureusement, il n'en a rien été. Et ça y est, ils sont sous les ordres du starter. On a la finale du 100 mètres masculin. On souhaite que cette fois-ci ce soit la bonne. Quatrième procédure de départ. Je pense que j'ai connu ça qu'une seule fois dans ma carrière. Et il me semble, dans mes souvenirs, que ce n'était pas une bonne course dans la foulée. Bah là, ils vont être encore plus revanchards. Donc ça va l'être. Restez concentrés. 100 mètres. Le 100 mètres du meeting de Montgeron est maintenant parti avec Ryan Zézé et Arthur Cissé qui ont pris des gros départs dans cette course. Ryan Zézé, Arthur Cissé, Mickaël Mébazézé, et c'est Arthur Cissé, 10-21 pour Arthur Cissé. Arthur Cissé, c'était bien Mickaël Mébazézé par Ryan Zézé. Mickaël Mébazézé corrigé à 10-19. 10-19 pour Arthur Cissé qui approche donc le record du meeting. Eh, Mickaël Mébazézé très régulier, 10-28 après ses 10-25 de la série, David Quinn en 10-39. Et c'est dommage parce que la série était plus envoyée, ouais. Et en plus avec vent négatif, peut-être qu'on y a laissé des plumes dans ces faux départs. Ouais, il y a peut-être eu un peu d'influx, un peu de concentration qui sont restés sur la ligne de départ de Montgeron. Voilà, on les voit qui se regardent tous en relevant les mains là sur... derrière la ligne. Et Arthur Cissé, c'est un joli vainqueur du 100 mètres du meeting international de Montgeron. 10-19 à 600e du record du meeting. Mickaël Mébazézé confirme ses 10-25 réalisés en série avec 10-28. Ah, on les a entendus justement se plaindre des faux départs. Et on va essayer de le vent, plus 0,2 mètres par seconde, vent favorable en plus, tiens, pour la dernière, pour la finale. Aux côtés du vainqueur du 100 mètres, ça n'a pas été simple aujourd'hui, néanmoins, 10 secondes et 19 centièmes. On revient sur cette course, elle a été compliquée, notamment au niveau des départs avec plusieurs appels. Évidemment, on pensait faire mieux, je pensais courir aujourd'hui en moins de 10-10, mais avec tous ces faux départs, ce n'était pas évident. Et en plus, c'est le vêtu de saison pour moi, donc on met le cap sur la prochaine étape. Satisfait néanmoins de ta performance aujourd'hui? Oui, parce que c'est le vêtu de saison pour moi, donc du coup, on verra la suite. Ok, merci beaucoup. Arthur Cissé, le vainqueur du 100 mètres, et j'en profite, j'ai l'occasion de remercier les commentateurs d'Athlète TV, Clément Bresse qui était là-haut, avec Pascal Martino Lagarde, et je ne dirai pas, également Aude Clavier qui est venu faire un...